tout le monde, bienvenue dans le 26e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et le tracé de Silverstone pour s'occuper d'une petite barquette britannique bien rapide, la petite Austin Healey 3000, produite de 1959 à 1967. Une voiture qui aura connu trois déclinaisons commerciales, la marque 1, marque 2 et marque 3. Un modèle très emblématique, très revendiqué comme étant un des plus beaux modèles de la part de nos amis britanniques. Une voiture qui est surtout victorieuse en rallye. Elle a remporté de grandes épreuves de l'époque, le Liège, Sofia Liège notamment, et le rallye des Tulipes aussi, qui était connu pour les modèles de grand tourisme. C'est un modèle avec 4 vitesses, une boîte 4 vitesses avec bien sûr un moteur essence et une boîte manuelle, pas d'automatisation pour tout ça à l'époque. C'était un moteur 6 cylindres de 2 litres 6 qui a été boosté par un moteur de 3 litres quasiment pour celle-ci, avec deux carburateurs, ce qui était vraiment excellent. Et le mode est plutôt bien retranscrit, même si on déplore beaucoup de problèmes d'aliasing sur les parties chromées. Vous le verrez dans les caméras embarquées un peu plus tard dans cet épisode. En tout cas, le mode donne un comportement de voiture assez atypique, parce qu'on n'a pas tant ce genre de modèle dans Assetto Corsa. Le comportement est très proche de ce qu'on peut avoir sur la C Cobra, qui a été également modée, la Cobra 428. En un petit peu plus petite, on a le transfert des charges qui est plus facile. Et il faut surtout conduire ce genre de voiture sur des petites pistes ou sur la route de montagne disponible dans Assetto Corsa. Ici, il est vrai que Silverstone, je l'ai choisi tout simplement par patriotisme britannique, disons, pour la faire évoluer dans un milieu où elle était à l'aise. Mais finalement, rien ne vaut un petit tracé britannique style Nocky, Loulton Park, voire même Loulton Park, pour que cette voiture puisse s'amuser et que vous puissiez surtout vous amuser à son bord. Une voiture bien glissante, un track day très court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture, donc le mieux maintenant c'est que je vous laisse profiter de la démonstration en piste, et si vous souhaitez vous-même vous procurer cette voiture, c'est dans la description.